7 janvier 2022. Date ça fait exactement 6 mois depuis que un groupe assassin criminel qui est dans la politique, mélangé avec une coalition d'assassins qui est dans le secteur privé dans Petionville, mettent ensemble, ils ont tout le président paysan qui est le président Jovenel Moïse. Aïe, c'est pour moi que je cours ça à tête en pile. Dans le jour ça, qui était 6-7 juillet 2021. Eh bien, je dis, il est clair que nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes qui sommes des jeunes, nous-mêmes qui vivons dans le pays, nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, il est clair que nous acceptons que le président mourit. Oui, nous acceptons. Mais nous avons une bagaille pour que nous connaissions. Crime ça, il n'est pas prêté impuni. Il faut que nous clés sur ça. Pas de moyens pour que le crime ça soit impuni. Il faut que nous payions pour ça. Sous quelle que soit forme, et sa cause, moi-même, je dis ça clairement. À partir du 1er janvier qui se passe là, 1er janvier 2022, nous sommes là. Je dis nous année ça, soit année de combat qu'il y ait, soit année de lutte qu'il y ait, parce qu'il n'est pas acceptable dans le pays. Pour décembre qui se passe là, pour un monde dans la diaspora, besoin d'entrer dans le pays, dans le pays d'Haïti, pour aller boire soupe avec la famille, pour aller passer fête fin d'année avec la famille, il n'est pas capable d'entrer parce que Haïti, une coalition d'assassins qui prend le pays en otage, qui fait que vous même vous pas capable parler. Depuis ce monde qui rêve change, moi-même pour une seconde, il y a tué. Il y aura un pays invivable. Parce que qui s'est passé? Le pays a fonctionné dans l'instabilité. C'est le ça, coalition d'assassins, confortable dans le pays d'Haïti. Et bien nous-mêmes, qui sommes des jeunes, qui ont bataillé pour demander justice pour le président Jovenel Moïse, qui ont bataillé pour le pays libéré, nous disons coalition d'assassins, définitivement, nous sommes grenés dans le bout nous en face nous, et quel que soit le sens, nous ne pouvons pas tuer tout le monde. Et vous-même, quand vous avez là, maintenant, on n'a pas de plan. Pas jamais suspendre la bataille. Pas jamais peur, même pour une seconde. Parce que je dis ça clairement. De vous te faire avec sourire, Mabdoussa. De vous te faire sous terre, ça. Quel que soit Jean Saïe, on peut mourir quand même. Mais rentre tout utile. Marquez passage sous terre, ça. Parce que moi-même, je suis fait dans le pays d'Haïti. Mon pays n'a pas fonctionné comme ça. Je suis allé dans l'autre pays. Je visite quelqu'un de côté. Moi qui j'ai mon vivre. Moi qui j'ai l'État traité peuple. Moi qui j'ai dirigeant l'autre pays, traité peuple. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de dirigeant. Depuis le passé 30 l'année. Je dis, nous dit clairement. Faut que nous changions l'état ça. Faut que nous venions avec une autre classe monde qui vous dirige le pays ça. Parce que ce n'est pas acceptable pour la fonctionner avec la coalition d'assassins. Aïe, c'est pour nous, dans la vidéo, ça nous va parler en pile cause. Ou même, capteur de Mkabgadem là, Ariel Henry, avec la coalition d'assassins, il envoie un message clair à des jeunes qui bataillent sur les réseaux sociaux. Parce que le tête dit la privée sous nous et de fait, il arrive sous nous. Parce que je vais dire une grande bagaille. Wilgens avec Wesley Amadi, Wilgens Louis Saint. De M. Sayo, c'est deux journalistes en ligne. M. Sayo, dans les médias en ligne, Wilgens a collaboré ensemble avec Unison nous, okay, avec plusieurs autres confrères nous encore. Amadi encore, Wesley John, a collaboré ensemble avec l'autre confrère nous dans les médias en ligne. Qui s'est passé? Nous-mêmes, qui sur les réseaux sociaux, ça fait des peur. Parce que nous sommes au cœur des événements. Parce que nous, actualité, nous en dedans, définitivement. Si M. Sayo, c'est seul lui-même. Qui est capable de vivre exactement la caille ISO, la caille Tilapli, la caille barbecue, la caille toutes mes séances, toutes les gens qui ont. Et mais qui s'est passé? Nous venons définitivement représenter une menace pour la coalition d'assassins qui est actuellement là au pouvoir. Parce que qui s'est passé? Dans le pays d'Haïti, nous avons constaté que c'est nous-mêmes seulement chrétiens qui sont médias. C'est nous-mêmes seulement qui avons dit exactement Jean-Lié. Nous n'avons pas connaît qui je nous fait fonctionner. Parce que chaque nèg qui gagne micro dans pays d'Haïti beaucoup que même pas dit non là qui très fort même grand dans boudam me dit ça m'a dit non là notre de journaliste dans pays d'Haïti dit nous comme ça que les gagne environ 35 années depuis que la pratique métier ça ça dit il gagne 25 ans depuis la fait bec micro tel bagage tel bagage ça veut dire même tout grand bagage prend nèg journaliste ça dans même dimension avec politiciens traditionnels dans la coupe d'Haïti. Parce qu'ils ne sont pas différents. Ils ont grandi ensemble. Ils ont là depuis 1986 ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ça veut dire paysan, détruisant, ils ont détruit ensemble. Ils ont crasé paysan ensemble. Ils ne sont pas gagnés, ils sont capables de porter comme contribution dans le pays. Dans le changement pays. C'est que là où ils ont parlé, pas prêt au sérieux. Pas prêt au sérieux. Je dis, qu'on a un espoir toujours. Parce que si moi, en tant que jeune garçon, nous sommes capables de camper pour la bataille, nous prendre justice pour le président Jovenel Moïse. Nous parlons avec chaque grand haïtien, nous avons gardé nos yeux, nous avons dit exactement la vérité. Nous n'avons pas peur. Gagnez espoir toujours.
Là, on jeune d'un coup Foucault, campé, la pointe du doigt, chaque grand assassin qui n'a tous les jours de Moïse, dit à tout, il y a espoir toujours pour Béisa. Parce qu'il est clair. Il n'est pas de café longtemps. Qui est son jeune, ou qui est, ok, qui est son jeune théier pour parler de nos micros, nos radios, par exemple, Radio Caraïbes, Radio Garian, dans l'autre radio, pour venir comme si parler, de façon à parler là. Et là, je suis après le micro dans la bouche automatique, oui. C'est râler, on a pris le micro dans la bouche automatique à toute bouche. Non. Mais je dis, on a liberté. On est capable d'exprimer nous. Je nous voulais, là nous voulons. Nous disons ça nous voulons quand il s'agit de la vérité. Nous ne parlons pas pour nous détruire personne. Nous disons la vérité. Mais je dis, Aïssé Fomsom, Ariel Henry frappe nous-mêmes qui nous mettons en ligne. Parce que ce qui s'est passé, il était dit nous, la privée sous nous. Je dis, Gredmagay. Wilkins Lucien avec Amadi Wesley mourit exactement dans Désiré. Non, de la boule. Son zone que je connais très très bien. Moi-même, il faut béton. Son zone que je connais très très bien. A tel désiré, il y a qui mourit. Comment vous mourit? Qui ça fait vous mourit? Dans la vidéo, ça me va l'expliquer. Sauf que Sam Kadou, en attendant, Ariel Henry frappe nous-mêmes qui n'a pas dit en ligne. Ils vont un message clair. Ben, chaque grain dans nous-mêmes, qui a bataille, qui a de justice pour Jovenel Moïse, qui a pas de changement pour pays d'Haïti sur les réseaux sociaux. Parce que c'est seul nous-mêmes qui était. Dossier Jovenel Moïse n'a pas mourir, c'est seul nous-mêmes qui est capable de faire le niveau ça. Mais sinon, les médias traditionnels dans le pays d'Haïti, c'est what you want qui cause vous parler de dossier ça. C'est parce que ouais, chaque côté on viré sur Internet, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, ouais, tout côté, c'est justice pour le président Jovenel Moïse. Et nous parlons chaque jour. Évolution dans le cadre dossier ça. Nous parlons de tout petit bagage net. Nous avançons toute thèse net. Nous pas quitter tout petit virgule derrière. Mais vous pouvez. Mais les médias traditionnels, lui-même, lui, pas que l'autre moyen. Faut qu'il parle de ça tout. Aïssé Fomsom, nous parler de pile causé dans la République. Parce que grand pile information. Dossier par la sauce, par la sauce. Qui ça gagne de nouveau? Dans la vidéo, ça, ou pas le connaître. Très important. Aïssé Fomsom, alors, yon père, yon bourré, tu balé. L'idée ça, comme te dit là. Tchès pour Aïssé, non, embrasser l'idée ça pour le faire chemin. Et nous te dit clairement, nous parler pour nous commencer. Parler ensemble avec tout le monde qui est prêt à collaborer, pour être prêt à supporter le mouvement ça, la Coupe d'Haïti, parce que je dis ça clairement, ce n'est pas un mouvement spontané, ce n'est pas un mouvement occasionnel, c'est un mouvement à long terme qui est lié. Parce que nous avons une base qu'on a préparée, nous avons besoin de support chaque grand haïtien pour nous mettre une base solide, pour que nous atterrions avec vision ça. Yon pèl, yon bourret, yon balé, parce que je dis ça clairement. Ça n'a fait là depuis nous, chaque mettre tête nous ensemble, quel que soit Jean Saïe, nous avons vécu très très loin, et je dis ça clairement. Moi-même, chaque fois que je décide de faire des choses, je planifie, je calcule, je écris, je mesure et je connais exactement pour qui résultat que je bataille. Et je suis conviction avec yon pel, yon bourret, yon balé dans le pays d'Haïti, je suis débouché sur son paquet de pistes. En tout cas, je profite pour saluer Madame la Première Dame, Madame Mati Moïse. Je dis à faire exactement 6 mois depuis que la coalition d'assassins dans Pétionville. Te mette tu ensemble avec coalition criminelle qui dans politique tu les avec nèg qui dans l'église tout pasteur Forge, pasteur Gérald Bataille, te mette tu ensemble pour te détruire la vie ou et te touyer mari ou et touyer président pays ou. Mais m'a dit madame, courage, rete sous li ou pas dérouté, debout dérouté, monsieur premier monde cap de calou, rete sous li ou mais pour bail qui m'a dit ou gagner pour prenez un cabinet d'avocat pour sommer compagnie City. Parce que moi, compagnie ça, ou du moins, compagnie sécurité ça, il n'y a pas parlé de lui encore. Moi-même, je dis ça clairement. Quand il s'agit de justice pour le président Jovenel Moïse, nous ne pas quitter une petite thèse derrière. Nous ne pas quitter une petite virgule derrière. Nous n'avons pas avancé avec toute petite thèse honnête. Pas de monde n'a pas raté. Parce que faut qu'on ait un exemple qui est clair et tracé. Quel que soit le monde qui est impliqué, quel que soit pas haïtien ou haïtien, ou après, bois dans le bout de tout. C'est ça lié. Nous avons des justice pour le président du pays, nous, qui est le président Jovenel Moïse. Aïssé Fomsom, je dis que nous avons 6 mois, nous n'avons pas de président. 6 mois, coalition d'assassins, c'est eux qui ont dirigé. L'éclair. Mais je dis que ce n'est pas la fin du monde. Aïssé Fomsom, pirouillé, puis coupé. Président Jovenel Moïse, moi-même, en tant que jeune garçon, moi-même, en tant que nègre de nous, nous pas chambli et nous continuer à mener bataille jusqu'au bout. Ou pas chambre regrette. Ou pas regrette. Pour nous avoir un bout de ça, 27 750 km², nous avons des gens même j'avais qui ont sacrifié la vie et qui ont perdu la vie. Pour nous avoir une liberté.
mais ou même ou sacrifier la vie ou en 2021 pour qu'à les yeux peuple ça pour faire connaître qu'après indépendance nous t'es toujours une chaîne dans l'esprit nous mais chaîne ça ou de faire Noël nous comprenons mais président Mabdou merci ou pas progresser ça Mabdou chapeau bas n'a pas continué gourmet n'a pas continué bataille jusqu'au bout Aïssé Fomsoum même Claude Joseph parler nous pas le temps d'elle Stanley Lucas parler nous pas le temps d'elle et nous pas faire commenter ensemble. Alors, avant que nous commencions, profitez pour nous dire bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, nous attendons de regarder nous. Encore une fois, gens qui nous connaissent, c'est toujours un plaisir pour moi pour que nous ensemble avec nous. Et ça vraiment fait du bien. À chaque fois que nous connaissons, je viens partager un moment ensemble avec nous et que nous connaissons, nous allons réagir à travers les commentaires. Alors, c'est là, nous allons dire tout ce que nous pensons, tout ce que nous comprenons de ce qui dit dans la vidéo. Ça. Tout ce que nous comprenons, 6 mois après l'assassinat du président pays, qui est le président Jovenel Moïse, qui sont comprennent, qui sont envie de dire, qui sont envie de parler, ou même capteur de M. Gadem là, nous avons tant de voix pour exprimer, pour nous passer voice par là, pour nous passer revendication par là, sur plateforme cet après-midi. Nous avons tant de voix. En tout cas, encore une fois, je dis nous, c'est un plaisir pour moi pour que nous sommes avec nous. 7 janvier 2022, exactement 6 mois. Depuis que tout est président Jovenel Moïse. Mais des grands mounsou, parce que nous, dans le combat, soit en année 2021, soit en 2022 fois plus mauvais, nous avons continué la bataille. Nous avons dit que nous avons en avance. Alors, Jean que nous avons là, nous avons entendu PM Claude qui t'a parlé dans le jour ça, qui marque date exactement 6 mois depuis que la coalition d'assassins de Pétionville n'est juste pas d'accord avec le président Jovenel Moïse. Il était juste senti que l'intérêt est directement menacé. Il met tête ensemble, il dépense la goulage à qui il vole dans le pays, il tout le président. Et bien, de fait, Claude Joseph, un jeune garçon, qui était chargé d'affaires en Espagne. Jovenel Moïse Gralé, il mettait le ministre des Affaires étrangères. Tout de suite après, il mettait le comme premier ministre. Parce que c'est un jeune garçon qui bourrait avec compétence, qui est fougue. Un jeune garçon qui a conviction. Jovenel Moïse était quoi dans la compétence, monsieur? Il était fait pas pour ça avec elle. Mais ce qui s'est passé, c'est cette cause où tu as acheté Kayo, les qui proche Matelio qui est à côté de Jovenel Moïse, il n'y a pas de vouloir avec Claude Joseph. Ok? Mais justement, dans ça, Claude Joseph qui a le message que le temps fait passer. Je dis là, il parle. Il parle ensemble avec le journaliste de la télévision Caraïbe dans la Coupe d'Haïti. Et que nous-mêmes, nous prenons une décision pour que nous fassions. Nous faut attendre, nous commenter ensemble avec eux. Sous déclaration qu'il a fait. Tout c'est après, on va parler de Stanley Lucas. Et puis moi-même, je suis venu avec information. Il y a un rapport avec M. Sayo, bandit au fusil dans la boule. Qui est-ce qui veut faire fusil? Qui est-ce qui fait bouler? Pour qui est ce message ça? On a fait tout le détail ça. Parce qu'il y a Ariel Henry, il a dit qu'il a privé sur nous-mêmes, qui n'a pas dit en ligne. C'est information ça me le connaît. Retez avec ça dans la tête parce qu'on va grand pile causer dans la vidéo ça. Surtout, retez là et partagez, commentez, likez. Si vous abonner avec la plateforme, profitez pour vous abonner. Parce que ça gagne sur la plateforme, ça, c'est une grosse cause dans la République. On avance ensemble avec l'ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien chargé d'affaires, okay, un jeune garçon, et premier ministre Claude Joseph, qui t'a parlé ensemble avec les journalistes. On entendait, et puis tout de suite après, on a tourné pour commentaire. On avance. PM Claude Joseph, et Pierre-Guinel René, et puis Gary Diesel. Il y a des télévisions Caraïbes. On avance. Ils ont joué une justice, donc, ou révélo vraiment, hein, on fidèle, mais on fidèle dans la mort, et Jovenel Moïse, et, ou qu'a présenté comme journaliste? Bon, écoutez, et moi-même, vive un temps avec le président Jovenel Moïse, d'abord comme ministre des Affaires étrangères. Et ensuite, comme ministre des Affaires étrangères et premier ministre. Donc, moi, fais expérience avec le président Jovenel Moïse. Je connais qui est lié. C'est un monde qui a défendu une cause. C'est un monde qui gagne des idées assez importantes qu'il a défendu pour le pays. Donc, dans la ministre, pour le 7 juillet, les jeunes en mort, comme tout le monde connaît d'ailleurs, m'ont servi loyalement et beaucoup de présidents. Donc c'est d'abord un devoir, une obligation morale, mais c'est une obligation citoyenne également. Parce que le président
te fait une équipe mon confiance en moi-même. Mais c'est un président, il faut que chaque mourir. Donc, pas de monde qui doit retirer la vie, n'importe monde, voir un président qui est en fonction. Donc, c'est normal que moi, tout moi-même, dans la bataille pour le président Jovenel Moïse, jeune justice, action mieux, il n'y a pas les clés, tout le monde voit. Pendant que le premier ministre, en fonction du président Moïse, moi, je prends des mesures qui étaient extrêmement importantes, qui fait que nous avons aussi arrêté 18 Colombiens, l'autre Haïtien-Américain, et où tu es avec qui efficacité enquêteur de CPJO, il tape mené enquête là. Et comme tout le monde est capable de constater, après une fin quitter et primature là, pour me quimber poste finir affaires étrangères là, enquête là, il est tombé. Enquête là, du moins, ça a piétiné. Pas de volonté politique pour enquête là. Et je suis capable d'y avancer. Et tout le monde constatait que c'est d'abord pas une volonté politique. Différents documents ou bien je suis capable de dire révélation qui fait surtout par RNDDH, montrer que vraiment c'est une investigation, une enquête qui n'est pas clé. Mais arrestation Palacios, par les autorités américaines, et je suis capable de dire enquête là, on l'a vie. Parce que, contrairement à sa autorité pour le prince, sa pensée, il est capable d'utiliser l'enquête là pour soit faire chantage, ou bien il est capable de manipuler, mais qu'on y a avec arrestation Palacios, on pensait que c'est un pas dans la bonne direction. Moi, je crois que gagner un espoir pour président Jovenel Moïse jeune du 6, pour famille, et pour allier lui. Donc moi-même, moi c'est un fidèle, je suis capable de dire à cause ça, à cause président Jovenel Moïse a défendu, parce que moi, vivre, moi, ouais, dans quelle dimension que président Jovenel Moïse lui-même était sincère, dans la cause que l'a défendu, la bataille contre l'oligarchie, bataille pour gagner l'autre Haïti, bataille contre la capture de l'État. Donc moi-même, c'est mon obligation pour moi-même, pour moi, et fait président Jovenel Moïse, jeune justice, et Madame Ni, Petite Li et Anilio. On parlait de l'absence de volonté politique pour Jovenel Moïse joindre justice, mais gagner un juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier, a gagné en quarantaine, arrestation qui fait, des gens qui attendaient, des gens qui gardent de recherche contre eux, mais d'un coup, on estimait arrestation Palacio cela. D'ailleurs, États-Unis par entendre tourner en Haïti, c'est une arrestation qui a permis enquête là avancer. En qui ça, vous pensez, arrestation ça? Et en fait, pour faire du coup, c'est Erwinel. Encore une fois, je vais profiter pour saluer PM Claude Joseph. Aïe, c'est comme ça, je vais capter, je vais capter là. Écoutez bien. En plus, on a parlé de extradition Palacios dans le pays d'Haïti. Pour faire qui ça? Écoutez, nous sommes capables de comprendre que Palacios, c'est un assassin qui trouve le président Jovenel Moïse. Ou même capteur de Mkabgadem là, ça qui est important pour nous. C'est prendre vrai monde qui dépense l'argent, qui touille le président. C'est ça qui est exactement important pour nous. Palacios, c'est un homme qui fait un job, évidemment. C'est un qui boude à chirer, qui sont dans le pays où il passe à 500 jobs, ça y fait même. Boulos, vous y cherchez, Dimitri, vous y cherchez, vous y dépensez gros l'argent, vous y cherchez, vous y faites rentrer dans le pays, vous y faites un job. Même ça qui est important pour nous. C'est qu'il y a un boulot en bas, mais nous dans la coupe d'Haïti. C'est qu'il y a un Dimitri Fop en bas, mais nous dans la coupe d'Haïti.
C'est ça qui est important pour nous. C'est pas comme si nous avons perdu du temps, oui, par la société ci, par la société là. Non. Ça va être important pour nous. Même. Ça qui est important pour nous, c'est jouer un vrai coupable. Autant intellectuel. Yo. Tout le monde connaît. Yo. C'est vrai, tout le monde épinglé sur le bout de papier. C'est ça qui est important pour nous. C'est ça que le peuple haïtien prend responsabilité. Yo. Tout chantage nous a fait. Tout passe à côté nous a fait. Tout bouée la bouille sous côté nous a fait. C'est pour ne pas arriver directement. Sous Boulos, c'est Dimitri Vob, sous les exactement, les Andal, les Bidjo, les Mez, les Boussan, les Tekinan Gaz dans le pays d'Haïti. Je m'a dit nous ça clairement. Nous ne pouvons jamais suspendre pour être monté du doigt et de faire monter à payer pour ça vous faire dans la Coupe d'Haïti. Père pour Joseph, vous comprenez que vous avez des obligations de réserve en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, en tant qu'ancien premier ministre. Nous connaissons ça, mais m'a dit nous ça clairement. Nous-mêmes qui sommes des jeunes qui arrivent à des problèmes ensemble avec nos réseaux sociaux, nous sommes des gens qui sans filtre. Et nous disons exactement janvier. Nous ne pouvons pas gagner pour une peur. Parce que nous disons ça clairement. Automatiquement, nous faisons, il est clair que nous allons mourir quand même. Quelle que soit la chance. Pas j'en peur même pour une seconde. Quand il s'agit de la vérité, pas détruire le caractère de monde. Pas assassiner le caractère de monde. Dis la vérité. Oui, il ne va pas faire bien. Mais c'est deal. C'est ça qui est important. Pas peur monde. Pas foutre paix mourir. Ne yon pas jamais capturer tout le monde. Je dis alors, il y a tout gros problème là ensemble avec Claude Joseph. Puis gros problème, c'est le fait que Martin Moïse pas mourir. Martin Moïse a vivre. C'est le plus gros problème pour le moment. Je dis Martin Moïse, on a un silence sur 7. Puis gros service pour prendre la nation ça pour moi, c'est le mot sommet compagnie City ou. Parce que je dis au compagnie ça. Qui t'a dit ensemble avec Madame Coquelin, Madame Coquelin, qu'on parle avec compagnie ça. Il y a de gros explications que nous avons besoin. FBI a tout soulevé ça dans l'enquête qu'il a mené dans le dossier par la sauce. Très important. Père Claude Joseph, on avance parce qu'on va arriver dans la face de groupe. Côté que vous avez information, vous avez dit des gros bagailles. Mais ça a bien fait mal dans la partie côté que vous avez crié parce que vous-même, moi, Joseph Clément, et partie de l'ONAGIA, il est frustré, il est un problème. Ou même, quand vous avez gardé là, on continue à attendre PM Claude Joseph parce que le gros parti va arriver là, c'est le bagaille tête chargée pour attendre. Regardez la vidéo. Partagez-le. Très important. En avance. Là, le permet de plus de lumière qui fait effectivement sur circonstances assassinat président Jovenel Moïse. Écoutez, c'est un gros complot qui aboutit à assassinat président de la République. Il y a un ensemble de Colombiens qui ont arrêté, qui sont capables d'auditionner par le juge là. Qui en Haïti, après 6 mois, et parce que pas oublier que jeudi 7 janvier, fait exactement 6 mois que le président Jovenel Moïse assassiné, et dans condition tout le monde connaît. Donc, Palacios, devant autorité américaine, pour le parler, bien sûr, pour le dire qui est-ce qui est en Mossa. Alors que ici, on a remarqué que les Colombiens ont commencé à faire des chantages parce que peut-être ils sont capables de dire dans la prison, dans des conditions qui ne sont pas réunies, qui commencent à dire c'est faire ou faire au palais, etc. Mais pas la chose devant l'autorité américaine, yo, parce que de toute façon, nous connaissons le fonctionnement de la justice américaine là, totalement différent de ça. Moi-même, son autorité ancienne, autorité dans le pays, moi, pas capable de désavouer justice pays. C'est ça que fait même moi demander pour yo extrader par la source en Haïti d'après traité 9 août 1904 là. Mais on parle au monde qui fout en même temps. Moi, je connais que si par la source vient ici, sans, on est capable de dire, il n'est pas cuisiné par la justice américaine, c'est la même chose à terre. Très important. Ça, Claude, PM Claude dit, mon cher, très félicitations maintenant. Félicitations. Parce que je dis ça clairement. Je dis là, on regarde le chantage qu'on a fait, côté que les gens disent que, et oui, faut, et la justice haïtienne, faut pas la science rentrer dans le pays d'Haïti, venir répondre aux questions, juge Gaïo Elien. Bon, je dis non, bagaille. Bon, ça, bon, on blesse ça, pourquoi penser au cap tout le monde pour imbécile. Nous faisons tous les jours, nous ne parlons pas de mon éclairage. Disait tout le peuple haïtien comme si calé. Tout le monde comprend exactement qui est-ce nous est. Comme si je disais là, nous avons besoin pour pas la chose tourner dans le pays d'Haïti, venir répondre à une question du juge Gaïolien. Tout le monde sait le juge Gaïolien, attendez, à qui ça le fait? Martin Moïse pour te plaindre avec toute petite lit, toute famille en net, contre Ariel Henry. Qui ça nous a Gaïolien fait?
Nous avons des amis Pierre-Sandou. Pierre-Sandou a garé le chita avec, chita avec Ariel Henry. Il prend l'argent de Ariel Henry pour ne pas attendre Ariel Henry. Comme nous avons tout le président Jovenel Moïse. Nous avons entendu faire appel à elle. Ça m'a jamais fait. Ils ont négocié ça, ils ont entendu ça. Mais ma petite, nous avons remblé le juge. Nous avons propre juge. Nous avons fait du monde de l'Haïti. Nous sommes capables de comprendre que PM Claude Joseph, en tant qu'ancien premier ministre, en tant qu'ancien autorité, ou une obligation de réserve. Nous avons dit ça clairement. Moi-même, c'est mon cap de bagarre exactement. Je n'ai pas gagné pour mon on remblé et on remblé. On m'a propre et on m'a propre. On juge son coco à couiller, ou son vicieux et ma douce son vicieux. Parce qu'on pas foutre monde. Alors là nous avons un petit grand goût ça dans l'appareil judiciaire. Comment on peut passer jamais au système judiciaire qui est fiable? C'est même nous qui mettons mandat pour tout le président Jovenel Moïse. Alors on passe un blé ça, comme c'est d'adou, pour pas rester faire un cadre de ça, m'a dit ça clairement. Depuis c'est nègre qui implique l'assassinat du président Jovenel Moïse là, ça qui est important pour nous, c'est pour Américain prendre dossier ça en charge. Et puis après, c'est pas une justice définitivement. Et pour la justice américaine, prendre dossier en charge. Foutre code dans Gina Boulos, foutre code dans Dimitri Vob. Assassin ça, c'est très important pour nous. On va venir lancer comme Sindadou, on va pouvoir voir les et pour foutre les palaces de bois. Il va foutre les palaces de bois dans le pays. Et pour foutre tant d'elle, Marie, qui est dans la prison de bois. C'est ça qui est important. Et depuis le pays d'Haïti, on va aller dans la gueule. On va aller dans la gueule, on va aller dans la gueule, mercenaires dans la prison, les Colombiens dans la prison, sous prétexte que, il y a toujours des Moïse, ou mercenaires, capables innocents. Alors, comme si, franchement, monsieur. Mais sauf que tout ça est là comme chantage. C'est parce que nous avons un peuple qui est vicieux, qui est extrêmement vicieux, qui est corporate, qui ne peut pas comprendre exactement dans qui ça a été mis comme panzou. Ok? Comme si, franchement, là, nous avons un peuple qui apprend à prendre responsabilité même pour une seconde, là, ça a un bon pays. Là, nous avons un peuple qui suspend, résumé la ville, ou bien tête, ou bien fait plus tête avec 1000 gouttes, là, ça a un bon pays. Franchement, on avance le PM, parce que nous avons un peu de bon dit. Oh! Que justice américaine, fin temps d'île, et fin fait le parler de qui est-ce qui derrière question ça après la vie ici bon monde qui fait droit eux-mêmes yo connaît peut-être mieux passé et ben et procédure yo mais moi quoi que kouni à côté par la société les mieux que s'il est exactement en Haïti dans la condition que nous tout connaissons. Mais et au se parler de juge là tout à l'heure moi m'a dit que depuis que tu es premier ministre et ensuite, ministre des Affaires étrangères, moi qui connais un juge d'instruction, pour qu'on parle, pas qu'à mener une enquête comme ça dans la dimension ça. C'est ça qui fait me demander entraide judiciaire, coopération judiciaire. C'est ça qui fait d'abord me décrit l'ONU. En fait, d'abord me décrit et mon pays comme les États-Unis pour me demander pour permettre que FBI aide nous dans la question ça. Moi, j'ai parlé avec le président Colombia tout pour aider nous dans l'enquête. Ce que j'ai fait, des Colombiens étaient là, FBI était venu là, c'est après requête que j'ai fait. Ensuite, moi, j'ai écrit aux Nations Unies, même si les Nations Unies, un premier ministre, Ariel Henry, qui devait remplacer, m'a demandé pour camper sous et requête ça, demande ça. Mais tout ceci pour me dire, qui ça pour me dire que moi-même, moi, j'ai toujours quoi. Quand est la PM Claude, pas avancer. Non, fait, nous avons un important pour ça, il ne faut pas courir. Il ne faut pas tellement courir. Parce que ça, c'est extrêmement important. Où tout est écrit, Nations Unies, pour te bambourade dans l'enquête ça. Et puis, Ariel Henry, mandé Nations Unies lui-même, l'Elvini, pour Nations Unies camper sous process d'enquête ça. Ça veut dire que vous comprenez ça, c'est extrêmement grave, où dit la PM. Nous voulons attirer l'attention, nous-mêmes, capteurs, nous regardons là. Sous ça qui a passé là. Alors, même dit que nous avons regardé, nous avons regardé vu, nous avons regardé exactement la caille voisine de la République Dominicaine. Alors, nous avons fait une image la caille voisine de la République Dominicaine. Nous fait exprès même pour nous faire vivre ça. Pour nous regarder comment nous sommes dans le pays d'Haïti. Salope sanguin. Il n'y a pas de monde. Combien de temps la République Dominicaine nous gagne depuis le vin comme ça? Et puis, nous-mêmes, les pays nous italiens là. Je fais ça même, je fais vidéo ça avec vocal, je filme comme si vous êtes de côté. En République Dominicaine, vous avez des buildings là, qui voisin nous, en République Dominicaine. C'est extrêmement grave. Alors, PM, pour nous tourner sur ce que vous dit, en tant que Premier ministre, vous demandez aux Nations Unies pour vous faire une enquête ça. Vous répondez. Ou l'autre PM qui vient remplacer, vous demandez pour vous camper sur l'enquête ça. Mais je dis, je dis à Ariel Henry, on rayon, on emblait, on coco à tout petit vicieux.
on reste avec le contrôle. On est boulé, on n'est pas bloqué. Là, on avance. Et là, foutre les sous. Assassin criminel. La privé sous. Et Pema, il s'en fout deux choucos quand même dans tout ça. Au pensez là, ou c'est maître chef, ou si Jean-Claude Duvalier. Si François Duvalier est capable de quitter le pouvoir dans le pays d'Haïti. Alors, son rang est en cours. Son rang est en cours, comme si nous avons dit, qui pense capable de quitter le pouvoir. Ou mettre Dodomi à ce pouvoir, ce petit garçon. Bonjour, il n'a pas fait 3 ans vivre encore. J'ai mon fini là. Ou fini net. Mais tu as volé l'argent quand tu es là, on vole. Ou pas jouer lui, rien. Ou son fini est quoi. Ou son vieux job sale pour les gens, fait job sale. Mais ton boule, n'a pas ça. Après, sous nous tous. On sent que, on sent foi, on criminel assassin. Il y en a pas CPM. Franchement. Qu'un juge d'instruction seul ne peut pas conduire cette enquête. Et tout le monde a beau elle là. C'est pas parce que peut-être que le juge n'a pas une volonté, mais pas questionner volonté les bonnes fois. Mais il n'est pas capable et pour compter. Et maintenant, qui l'autre bagaille qui vous a de fait, et moi-même, moi été rencontré avec plusieurs autres pays, moi rencontré avec le secrétaire général de l'Organisation des États américains, pour moi faire même de demande, nous besoin de coopération judiciaire, nous besoin de coopération internationale, étant donné la dimension transnationale du crime. Donc c'est ça que papa le fait que, au Palo, le secrétaire général OEA, lui-même, est entré dans la bataille là, ou bien, et dit que yo prêt pour appuyer Haïti pour joindre justice au président Jovenel Moïse. Parce que tout simplement, c'est un président et en fonction qui mourit dans la condition ça et qui représentait une menace pour le système international. Donc, joindre justice au président Jovenel Moïse, ce n'est pas plaire avec la personne du président Jovenel Moïse ou bien famille seulement, ou bien alliés, mais c'est éviter répétition de pareil acte dans le système international. Donc, c'est peut-être ça. Moi, je crois que tu as un pile monde qui baille. C'est un pile pays qui va pour aider à faire enquête l'avancée. C'est ça qu'on va l'expliquer. Par exemple, la Turquie a arrêté sa Mirandal pendant la traversée de la Jordanie. Donc c'est dans le même souci coopération internationale. Là. C'est dans le même souci entraide judiciaire. Là. Donc c'est ça qui fait au Balkan arrêter sa Mirandal après des démarches que nous devons faire auprès de chancellerie et turque. Donc, Jean Doula est vraiment indispensable que Gagné est capable de dire collaboration, coopération internationale, parce que pas quoi, disposition nous gagne là dans la justice pays nous, et qui permet que nous jouions justice au président Jovenel Moïse. Ouais, sans volonté politique ça et entraide judiciaire là, il n'est pas possible. Mais on dit, où t'es initié une démarche comme ça, Ariel Henry t'es venu en place, t'es campé sous démarche là, qui ça t'es bail comme raison pour ça? Bon, écoutez, moi-même et moi tout le monde qui a suivi évolution question ça. Connaît que il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et particulièrement avec le comportement d'Ariel Henry et par rapport à l'enquête là. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'MT ministre Affaires étrangères a été effectivement une initiative ça auprès de l'ONU. Ariel Henry a décidé capil et tout simplement, d'ailleurs, pas. Avancer aucune raison. Ouais. Et ce n'est pas seulement ça. C'est tout ça qui visait à faire avancer l'enquête là que le Premier ministre Ariel Henry a eu un problème avec. Que moi-même, j'ai initié, j'ai eu un problème avec. Et tout simplement parce que, d'ailleurs, on nous dit carrément que c'est un comportement très suspect, n'est-ce pas? Et même volonté Ariel Henry pour le présenter devant le juge là, d'ailleurs, et c'est obstruction totale à la justice, l'y révoquer. Un ministre de la justice et après un commissaire gouvernement et pour ce commissaire gouvernement a dressé un réquisitoire supplétif qui gagne avec appel lui fait avec Badio. Donc nous ouais de façon cavalière
comment les révoquer mon ça. Donc, imaginons États-Unis, on a quelque chose à produire. Donc, ça veut dire qu'un premier ministre qui révoque au ministre de justice et un commissaire gouvernement, parce que tout simplement, il a questionné l'implication dans la mort du président Jovenel Moïse. Donc, ça, l'idée, ce bail est très suspect. Maintenant, jusqu'à maintenant, pas de monde qui connaît, appelle ça à eux, d'ailleurs, et NDDH 12 fois, appelle ça à eux que le premier ministre en passé, avec le principal monde qui a assassiné le président Jovenel Moïse, là, qui ça va être allié, pour qui ça la justice, pas qu'à questionner le premier ministre, là, pour le premier ministre, et lui, on réplique droit supplétif qui dévoyé devant juge d'instruction, qui est plein de couplis. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'années. Le juge d'instruction a beaucoup d'années. Donc, je pense que il y a deux problèmes. Et je ne sais pas, c'est parce que le juge d'instruction a parlé d'Ariel. C'est tout simplement parce que Ariel lui-même n'est pas d'accord pour le juge d'instruction. Entendez, tout ça qui est à ouais avec présentation pour le ministre devant le juge d'instruction, c'est un bagage qui pour lui qui est presque impossible. Parce que théorie parle, c'est que si le si juge d'instruction entendait, si le juge d'instruction entendait, le juge d'instruction doit révoquer tout de suite après. Donc, il faut que nous questionnions sur ça. Ouais, c'est que qui pour moi me paraît grave, son handicap, son entrave à avancer l'enquête là. Est-ce que vous pensez que c'est ça tout qui expliquait dans un nouveau gouvernement ou pas reconduit dans la tête affaires étrangères? Bon, justement, parce que moi-même, personnellement, je suis un militant pour les assassins de Jovenel Moïse, qui tout côté au niveau du gouvernement, ou bien qui, parce que, écoutez, c'est moi-même, j'ai dit ça directement au Premier ministre, qui avait dit que moi-même, je suis un irritant pour les signataires de l'accord, et je lui ai dit que je ne suis pas un irritant pour les signataires de l'accord, parce que je connais effectivement qui est-ce qui s'y est accordé, et que moi-même, moi, j'ai fait promotion pour l'accord-là, mais je suis un irritant pour les assassins de Jovenel Moïse. Et ça, il est clair, parce que m'a toujours été un irritant pour eux. Et c'est exactement pour ça qui fait que je suis écarté du gouvernement. Mais maintenant, ça n'est pas important pour moi, parce que si nous devons être dans le gouvernement, on peut dire ça pour me défaire, c'est pour me défaire silence sur question de moi, Jovenel Moïse. Donc. L'éclair, ils sont irritants, ils prêtent un irritant. Et peuple haïtien a félicité l'opposition. Et à propos de la majorité dans le niveau hier. Parce que ce qui s'est passé, les gens ont eu un problème, ils ont paniqué, le fait que, ou bien, position ça en tant que jeune garçon, pas ou privilège, pas ou avantage, mais ou justice pour le président du pays ou un président qui a une conviction pour te changer le pays ça, pour te porter contribution dans le changement du pays ça. PM Claude Joseph, encore une fois, n'a pas bien oublié ça, et je pense que, il a commencé ça. Parce que ce qui s'est passé, moi je dis ça clairement. Nous ne pouvons pas cacher la brique. Nous voulons une autre classe politique. Nous voulons une émergence avec des jeunes dans ce qui sont politiques dans la République d'Haïti. Mais je dis nous-mêmes que c'est des jeunes qui sont dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas camper tout le temps à dire ça que grand monde a échoué, grand monde est supposé mettre corps sur le côté, ben j'ai une place dans la politique. Non, il n'y a pas de place comme ça. C'est bataille pour bataille pour foutre dehors dans la politique là et pour après on prend place. Parce que place là, il est occupé, il y a plaidé quoi là-dedans. C'est parce que vous ne pas avec vous. Vous connaissez qui vous avez dit. Vous connaissez l'emblée. Vous connaissez le fumier. Mais c'est vous-même qui vous impliquez. Et puis après, automatiquement, place au là. Automatiquement, vous impliquez. Vous avez foutu de vous. Pour vous prendre le pouvoir, qu'est-ce que vous avez toujours utilisé? C'est vous-même en tant que jeune. C'est vous-même en tant que jeune. Vous n'avez pas même lucide, même en tant que quoi, Ariel. Peut-être pas même OK, même. Parce que vous faites tous les jours de vous. Complètement, après un an, vous avez gagné quand même. Vous avez commencé à dire comme si contrôle vous avez perdu lucidité. Bon, ne sais pas aucun corps. On vient comme on finit. Ça remplit ça, comme si finir ça, on va comme on va mon cœur plein. Depuis que ça aussi, notre ça aussi symbolise comme si fatra, glos senti, comme si toute vie bagarre qui part bouillot. Depuis où est Ariel Henry avec toute équipe là, c'est ça aussi symbolisé. Imagine comme on sale, ça comme on sent des affaires ici. Comme si on monte avec cœur, on sait que nous comprenons ça très bien. Et pas j'en peur même pour ce que pour balancer ma veille. On se met à la tête, tout est seulement, mais on n'a pas peur de mourir. Et du dit à tout, il n'y a pas tout le monde, l'éclair. Continue à gommer, parce qu'il faut que le pays soit libéré quand même. PM Claude Joseph en avance. Moi-même, pas de monde qui a fait silence, et selon moi, Jovenel Moïse,
Et me dit, Ariel Henry, ça, qui t'est offert un job, me dit que je ne suis pas un jobiste. Parce que moi-même, moi, quoi, une responsabilité. Et me dit, responsabilité, en tant que ministre des Affaires étrangères, entre autres, c'est joindre justice au président Jovenel Moïse. Moi, connais chaque démarche que je fais, sous question ça, comment irriter certaines personnes de la primature, mais particulièrement le premier ministre. Et moi-même, c'est une responsabilité. J'en suis dit tout à l'heure, et moi, servi président Jovenel Moïse, pendant tout le temps, ça, on connaît, hein, avec loyauté. Donc, après l'amol, m'a toujours fait, mais c'est plus une question de loyauté, une question de responsabilité citoyenne, une question de responsabilité politique. Donc moi, et après continuer bataille pour président Jovenel Moïse, jeune justice. Et en tout cas, bataille pour président Jovenel Moïse, jeune justice, ou bien velléité ça, depuis qu'il l'a gagné, est-ce que c'est tout de suite après assassinat président, ou bien après article ou journal colombien ça qui était cité non, non, dossier ça? Non, tout le monde a suivi à qui niveau que je prends et je suis capable de dire et bataille ça. C'est-à-dire que tout ce président fin mouri, moi prends responsabilité en tant que premier ministre. Chaque jour, parfois deux fois par jour, je fais des conférences de presse ou bien de presse avec CSPN dans Bogotim pour me parler de l'avancement de l'enquête. Et c'est ça même qui fait que le complot est tellement fort, ils ont joué un jour pour arrêter, pour stopper. Ils ont dit dans un journal Noticias Caracol, que eh ben et premier ministre ça, alors par contre si effectivement Noticias Caracol c'est pour un héros le fait, mais je dis premier ministre ça, eh ben l'État semblait c'est moi qui bénéficiait de l'amour. Bon, écoutez, moi-même m'te connais qui dimension complot, donc c'est ça que fait ouais c'est pas que ça pas ébranlé m'ta pensé parce que coup m'te dit c'est soit assassiné ou bien président Jovenel Moïse en justice. Et bien, ça a été vraiment paniqué, assassin. Parce que assassin, pour faire un crime comme ça, il faut qu'il y ait l'argent en même. Ou pas, depuis que je suis premier ministre, encore, journal ça, pas jamais parlé de bagaille ça. Du tout, parce que d'ailleurs, moi-même, moi, sommeil, jusqu'à maintenant, bagaille là devant la justice colombienne. Parce que pour moi-même, même si c'est ton détail, il n'est pas capable, dévier de route moins, même de trouver que c'est extrêmement important pour me défaire. Mais ça qui est extrêmement important, je veux dire, c'est que tout le monde qui a suivi l'enquête là, tout le monde qui a suivi l'évolution de Baïza, connaît que Baïza, c'était un complot, non, l'autre complot, et qui n'a pas dévié moi-même de focus moins côté de m'braler dans la bataille. Et jusqu'à maintenant, pas rien qui est capable de dévier. Ou t'es chef CSPN dans un moment colombien, ou t'es rentré dans le pays, c'est vrai. Alors, il dit que t'es là depuis plusieurs mois, et je dis à vous demander justice pour Jovenel Moïse. Est-ce que vous pas gagné, ou pas un regret, ou bien ou pas bail tête ou pas connaître docteur le fait que ou t'es dans une position ça et Monsieur Sayo, il est dans le pays, il a comploté, il est rentré, il a planifié pour venir assassiner le président et que ou même dans la position. Il n'y a pas de faillite à mission. Il n'y a jamais eu d'information Sayo. Non, écoutez, en tant que premier ministre, et tout le monde connaît, et ou pas foutu gagner toute information. D'ailleurs, je dis au premier ministre à l'intérim, ou pas foutu gagner toute information de ce qui a passé en dedans. Pays. Mais ce qui est important, c'est que grâce à leadership moins, grâce à et on est capable de dire fouk moins, moins te permettre que arrêter au moins 18 Colombiens tout de suite. Parce que ça nous reconnaît, c'est que plein, très probablement, c'était Colombien ça, yo fin sur le président Jovenel Moïse, yo qui était pays à même côté. Ou bien ils rentrent dans le palais, ils font l'autre, ils sont capables de dégâts. Mais en réalité,
c'était permettre tout de suite président Jovenel Moïse de mourir, qu'on chaos dans le pays à complet. Côté que mon a pillé magasin moun, parce que pour yo, mon qui tue Jovenel Moïse, yo, président Jovenel Moïse est tellement impopulaire que la mort est passé comme ça. Et on va voir que moi mobiliser la population haïtienne, qui yo même va l'accompagner la police nationale pour yo qu'un Colombien. On va voir tout, et on est capable de dire ça me fait. Pendant 72 heures pour qu'un pays a, et nous sommes capables de dire non, situation sous contrôle. Et c'était un langage classique que nous avons utilisé, même si des tracteurs ont dit, mais mon cher, il n'y a pas de pays sous contrôle, il comme ça que passé, mais effectivement, le pays était sous contrôle tout de suite après, parce que nous encerclons monsieur, nous prenons, nous arrêtons, nous faisons la population garder calme, et je dis assez grâce avec mesure ça. Et déclarer état de siège tout de suite après, qui permettent que Colombie ne va quitter le pays, qui permettent que nous jouions assassins, qui permettent que nous jouions en pile l'assassin, on nous dit. Donc, il y a, ça qui est important, c'est jouer le monde qui touille le président Jovenel Moïse, mastermind. Donc, c'est ça qui est important, c'est ça qui fait arrestation Palacios aux États-Unis, on dit c'est un bon pas. C'est un pas dans la bonne direction. Et nous devons également féliciter toute structure organisationnelle et tout notre monde qui fait bataille ça très cher pour nous, pour permettre que le président Jovenel Moïse ait une justice. Donc voilà, moi-même, pour après tout de suite après, soit 13 jours après, moi vine démissionner pour moi permettre que, et Dr. Ariel Henry vienne premier ministre, selon dernier vœu président Jovenel Moïse. Donc, mais après décision, ça a comme des grands, on va voir question enquête là, vient camper. Pas gain enquête encore, je dis. Pas gain enquête encore sur question et Jovenel Moïse là. Donc, c'est ça qui fait que tout le monde qui proche président Jovenel Moïse applaudit à deux mains, n'est-ce pas, arrestation Palacios aux États-Unis. Bataille repmenée pour Jovenel Moïse dans une justice là, repmenée dans le cadre d'opposition, puisque vous êtes déclaré ou rentré en opposition avec pouvoir ça. Et c'est plus que ça, hein. C'est pas seulement bataille pour justice, mais son bataille tout pour prendre pouvoir. Écoutez, moi-même, c'est pas une dynamique opposition avec ce pouvoir, parce que de toute façon, moi-même, moi, t'as souhaité que Dr. Ariel Henry réussit, même si après tout le temps ça a passé sous pouvoir, il n'y a aucun chantier. Même les chantiers les plus prioritaires pour Jovenel Moïse, il y a un campé. Moi-même, par exemple, m'te fait des déclarations sous canal irrigation qu'a construit sur rivière Massacre. Ou après, m'te capable de dire, et gouvernement ça, il n'y a pas aucun bagage que Jovenel Moïse a fait comme chantier, pas préoccupation. Donc c'est un gouvernement sans priorité en termes de chantier, Jean-Jovenel Moïse a accompagné et on est capable de dire Mounio, population en dehors et sourire comme ça. Donc ce n'est pas une question d'opposition, mais il faut qu'on d'accord que aujourd'hui, le gouvernement Sahara qui l'a, il n'y a pas aucune volonté et pas aucune volonté politique pour faire avancer l'enquête là. Bah, ça n'est pas important pour eux. Et le gouvernement ça qui là, il n'y a pas tête aucun mandat. D'ailleurs, mes stratégies, c'est propose à parler de l'élection en 2022. C'est propose yo voulez aller vers la constitution d'un conseil électoral provisoire. Et puis pour fin 2023, yo organise l'élection 2024 pour remettre pouvoir. Donc, c'est son gouvernement de transition qui voulait quitter le pouvoir sans y pas gagner. Nous sommes capables de dire et aucune priorité pour la population. Donc, il y a deux choses pour moi qui sont importantes. Il faut que l'élection soit organisée parce que nous avons une démocratie. Il faut que l'élection soit organisée. Ça, c'est le premier bagage là. Il faut que l'élection soit organisée cette année. Je ne sais pas si c'est par ce gouvernement ou bien un autre gouvernement, mais il faut que l'élection soit organisée à Nissa. Et moi-même, je pense à un gouvernement légitime et à gagner un gouvernement qui sortit par les urnes, alors je voulais dire, à gagner plus légitimité pour travailler sur question enquête président Jovenel Moïse. Entre autres, parce que
parler que population et ben. Avant qu'on avance, PM Claude, et la balle conclue, ça qui est important, moi-même, je dis ça, Pierre. Je dis à nous exactement 7 janvier 2022, qui marque date 6 mois depuis que la coalition d'assassinat mettait tout ensemble tout le président Jovenel Moïse. Ça qui est important pour nous. 7 février 2022, quelque soit chance, le président Jovenel Moïse t'a promis le pouvoir. Il t'a bail pouvoir. Il va gagner encore. Quelque soit chance, c'est obligation pour qu'elle te remette. Ok? Ça dit que, on premier ministre qu'elle te gagne, quel te Claude Joseph, quel te whatever monté, 7 février 2022, ou pas ta premier ministre encore, l'éclat. À partir de minuit, ou pas chef encore, ou pas premier ministre, ou pas même chef section dans le pays encore. Ça veut dire que nous-mêmes, nous supposons faire à rien que, li pas premier ministre encore à partir de 7 février qui là. Faut que mon gouvernement provisoire, avec mon président provisoire, qui va organiser l'élection référendum dans le pays, pour la sécurité dans le pays, puis fini. Parce que nous pas qu'à quitter ça là, on blesse ça, on équipe assassin. Donc, attendez, ministre intérieur, kidnappé. Ministre justice, drogue dealer, voleur. Avocat Dimitri Voba, assassin. C'est ce qu'on dit là, non. Ariel Henry tué, mais qui est le président criminel assassin. Secrétaire général, comment il est parlé national, comment il est cadet jacquet. Sous coalition, vie et monde net, nous savons comme si, yon sale image pays, yon sale escamp figure pays à l'échelle internationale. Ça veut dire que sous quelque forme, nous sommes obligés de bataille pour mettre nous au dehors dans le pays. Ce n'est pas acceptable. Pour nous, on sait des gens qui n'ont pas digne, qui n'ont pas crédible comme autorité dans le pays. Non. En 2021, en 2022, ce n'est pas acceptable. Il faut que nous finissions avec ça. C'est tout le monde qui est président pour le pouvoir. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'assassins dirigés. Nous n'avons pas besoin de criminels dirigés. Et ça cause, moi, je dis ça clairement. Moi-même, c'est dans le cas où ça, nous t'attendons Jimmy Chimizé Barbecue, côté que, justement, moi-même, l'éclair. Ok? Parce que, il va pour nous connaître. À partir de 7 février 2022, c'est la mbalwe, évidemment, et pour qui cause Dimitri Chimizé ta bataille. Parce qu'on silence absolu comme ça, avec on la trier moun, on quantité moun, derrière d'eau, qui te quoi dans ou, qui te quoi dans discours là, tout d'un coup, la guerre dans route. Moi-même, finalement, m'gé pour m'balade Dimitri Chimizé, c'est à partir de février qu'a bini là. 5-6-7 février, moi-même, m'a pas la Dimitri Chimizé, et m'a fait nous connaître m'balavel. Il est clair que, faut qu'il y ait une position, arrêter sous ça, de là. Comme situation, parce que Ariel Henry défaite, il n'est pas arrêté là encore. Ce qui est basé validé là, dis-moi pas comment est. Président Jovenel Moïse qui est nommé où? Mandela fini 7 février 2022, bien qu'il nous touille. Ou sorti, ok, ce qui est basé légal ou là. Si vous avez légitimité au gain, c'est Jovenel Moïse qui est barré comme président Yéli. Sous quelque soit forme, non, ou pas arrêté là comme premier ministre. Pour toute raison, ça y est, même capitaine de Gabriel là, on aurait été mobilisé, on continue. Mobiliser pour que l'assassin s'arrête au bas de la blanche, l'éclair. En avance, PM, nous allons conclure. Je comprends, nous voulons dire que tout le monde est réduit à une question de justice pour le président Jovenel Moïse seulement. Gouvernement, ça, non seulement il n'y a pas de volonté politique, mais son gouvernement de transition qui n'a pas réglé rien. Et tout le monde a dit qui ça, qui comme chantier prioritaire pour le gouvernement, ça. Donc, il est extrêmement important pour nous repenser et question ça et pour organiser l'élection. Maintenant, et moi-même, pas besoin de connaître qui est qui est pour aller pouvoir, sauf que moi-même, j'ai souhaité, c'est un gouvernement qui a une légitimité, qui est capable de faire avancer l'enquête là. Où est-ce que tu as demandé à ce premier ministre pour les complots contre Jovenel Moïse là, est-ce que les national ou international ou bien les deux? Bon, et c'est les deux, c'est les deux. Et c'est des mercenaires étrangers qui entrent dans le pays à venir tuer le président Jovenel Moïse. Et c'est certain que les gens qui tuent le président Jovenel Moïse, ou bien qui derrière le crime, c'est du monde qui ici en Haïti. Donc, tout connaît que le président Jovenel Moïse était des ennemis. Les oligarques, c'était les ennemis du président Jovenel Moïse parce qu'ils ont bataille contre eux. Les coupés contre eux dans le gaz. Les coupés contraires aux plusieurs côtés. Donc, nous connaissons que le président Jovenel Moïse n'a pas de sang. Et nous, ouais, par exemple, il y a des familles politiques qui touillent et nous sommes capables de dire qui participent directement dans le crime. Tout le monde cherche qui est qui bat Dieu, cherche qui est qui John Joel Joseph, entre autres. Hein? Donc, on comprend des indices, des idées. Moi-même, PM, pour nous dire tout. Parce que ce qui s'est passé, Matéli va passer tout le Jovenel Moïse, tout le monde dit Matéli, nous citons Matéli. Faut que nous citions nos Dimitri Voba avec autant de facilité tout. Faut que nous capables de courage pour nous citer nos original Boulos tout. Faut nous dire la bidio, les bossants, c'est que nous avons des gens qui nous citer tout. Ou c'est pour le ministre, pour le peuple, nous.
Martin Moïse, faut qu'il baille peuple là, c'est que nous n'est qui dans gars ça parce que Jovenel Moïse qu'on parle avec sur ça. Faut qu'il relève, faut mettre bon nom c'est que ça yo pour nous citer pour mettre photo pour payer à connait yo. N'a dit n'a plein de oligarque qui ça. C'est le boulot, c'est le boss la vidéo, mais comme les phobio, c'est eux même. Faut que nous parler d'eux, faut mettre photo yo pour nationaux yo. C'est clair. On pas de question bagarre oligarque c'est oligarque là. Non. Ça va être intéressant pour nous. Ça qui est important pour nous. Nous mêmes c'est fait peuple contre tout nègre qui dépense gros l'argent pour tout le président Jovenel Moïse là. PM Claude Joseph, n'a pas tout dans ce matin après-midi. Aïssé Fonsum, son plaisir. Stanley Luc a parlé. Alors, n'a pas fini avec vidéo ça là pour que nous tournions ensemble avec reste intervention PM Claude Joseph là après-midi. Son plaisir pour moi pour que nous ensemble avec nous. Aïssé Fonsum, yon pel, yon bouet, yon balé. Qui met ça dans l'esprit. Partagez vidéo, commentez, likez, abonnez, si vous abonnez. Qui est là, son plaisir pour que nous ensemble avec nous. Rendez-vous tout de suite après la vidéo. Ça. Parce que nous avons plus d'informations qui viennent de nous là. Nous avons tellement de caractère ensemble avant. Nous avons tourné pour nous faire une bonne information. Si vous avez qui est qui fait tout des jeunes garçons, restez dans la vidéo. Restez connecté avec la plateforme YouTube. Ça. Parce que nous avons des informations pour vous. Qui est là?